Donc je voudrais simplement vous dire tout le bonheur que je ressens. Voilà, je suis très heureuse et je vis intensément ce moment de bonheur. Je mesure l'honneur qui m'est fait aujourd'hui par tous les militants qui sont d'abord venus massivement voter. Et c'est d'abord ça que je veux retenir. Les militants sont venus, ils sont venus voter, ils sont en train de me donner un élan. Et ça, je veux les en remercier du fond du cœur. L'heure maintenant sera au rassemblement, je vous en reparlerai demain. Ce que je veux simplement faire maintenant, à l'heure à laquelle nous sommes, c'est méditer et vivre pleinement ce moment de bonheur. Voilà. Et je mesure aussi le fait de recevoir cet élan, d'être choisi de cette façon-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que le peuple français a écrit cette histoire. C'est le peuple qui s'est mis en mouvement. Ce sont les militants de base qui se sont mis en mouvement et qui aujourd'hui me donnent cette force et me donnent cet élan. Et je voudrais leur dire qu'ils ne seront pas déçus, que nous allons construire ensemble quelque chose d'extraordinaire, que la France va écrire une nouvelle page de cette histoire. Et que c'est le peuple français qui est en train d'écrire cette histoire. Et fidèle aux valeurs qui sont les miennes, d'écoute, d'attention, de regard sur la réalité telle qu'elle est, je vais continuer de la même façon. Je vais rester moi-même pour que ceux qui aujourd'hui me font confiance, parce que je sais qu'autour des militants socialistes, il y a eu plein de gens aussi qui ont parlé aux militants socialistes. Et qui ont dit il faut lui donner de la force, il faut lui donner du mouvement, il faut la mettre en situation d'aborder l'élection présidentielle dans les meilleures conditions par rapport à l'aspiration profonde du pays qui a envie que ça change. Je veux incarner ce changement, lui donner de la crédibilité, lui donner de la légitimité, et je crois que ce soir, cette légitimité m'est aujourd'hui apportée et j'en remercie du fond du cœur les militants socialistes. Parce que demain, je vais avoir comme tâche de les rassembler tous, y compris ceux qui n'ont pas voté pour moi, je compte sur eux. Chaque militant socialiste va être utile dans cette bataille difficile. Chaque militant socialiste doit être à son poste. Si l'on veut, autour des socialistes, rassembler toutes les forces de gauche, un maximum de forces de gauche, dès le premier tour des élections. Nous avons 6 mois de travail devant nous. Ces 6 mois vont être utilisés de façon intensive, de façon participative. Je vais, avec les militants socialistes, remettre le peuple français au cœur du projet des socialistes pour le mettre en mouvement, pour apporter des précisions, pour dire dès aujourd'hui ce que nous ferons demain, si les Français m'accordent leur confiance. Cette confiance, elle se mérite. Et aujourd'hui, je repars de la base pour remonter la montagne et gravir cette montagne avec les militants socialistes qui m'apportent leur confiance, avec tous les Français qui ont envie que ça change. Et nous allons tous ensemble gravir cette montagne jusqu'en mai 2007. Voilà ce que je commence aujourd'hui.